Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons déballer quelques petits coffrets de maquillage des princesses Disney. Il y a des vernis à ongles, des brillants à lèvres et même des crèmes pailletées pour le corps. Et nous allons aussi ouvrir cette mallette dans laquelle on va pouvoir mettre tout ce maquillage. On va commencer par la crème pailletée pour le corps de Réponse. Voici ce superbe flacon. Il est très joliment fait et il y a trois couleurs, le violet, le rouge et le jaune. C'est vraiment une très belle figurine de Réponse. On va maintenant ouvrir celui de Belle. Le maquillage de Belle est du brillant à lèvres et il y a du jaune, du rouge et du rose. Et la voici. Belle porte une rose rouge et elle est vraiment très très bien faite. Nous allons maintenant ouvrir celui de Rebelle. Le maquillage de Rebelle est du vernis à ongles vert, rose et marron. Et la voici. Et je trouve que de toutes les poupées, c'est la plus belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais d'après moi, c'est vraiment la plus jolie. On va essayer son vernis à ongles, juste pour voir s'il est foncé ou clair. Et là, en fait, il est pratiquement transparent. Il faudra en mettre plusieurs couches pour que ce soit bien vert. Rebelle est vraiment magnifique. Prochain maquillage, celui de Jasmine. La voici et elle aussi, c'est un vernis à ongles vert, bleu et doré. Et ses couleurs sont magnifiques. J'adore ses boucles d'oreilles. Elle aussi est vraiment très très bien faite. Prochain maquillage, celui d'Ariel, la petite sirène. Et là, c'est également du vernis à ongles rose, bleu et rouge. J'aime beaucoup la couleur de ses cheveux qui va bien avec le vernis. Elle aussi est très très mignonne. On va essayer son vernis et il est pratiquement transparent. On voit un peu les paillettes, mais on voit pas tellement le rose. Prochain maquillage, celui de la princesse Aurore. Et là, nous avons de la crème pailletée pour le corps, en rose, en jaune et en bleu foncé, presque violet. C'est une belle couleur. Et voici Aurore. J'aime beaucoup sa chevelure sur le côté, c'est très mignon. Et la voici en gros plan. Dernier petit coffret, celui de Blanche-Neige. C'est du vernis à ongles aux couleurs de Blanche-Neige, jaune, rouge et bleu. Et je la trouve vraiment très très bien faite. J'aime beaucoup son petit nœud sur les cheveux. Elle est vraiment très très mignonne. Pour moi, c'est la deuxième que je préfère. On a pas mal de maquillage ici
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir cette petite mallette afin de tout ranger dedans. La voici d'un peu plus près. Il y a aussi du maquillage à l'intérieur. Et la mallette est en forme de château. Et derrière, on voit qu'il y a des petites cases pour chaque princesse. On voit qu'il y a du maquillage de Cendrillon et d'Aurore. Et il y a des princesses sur la porte du château. On va tout de suite l'ouvrir et voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Et voilà, il y a des compartiments pour chaque princesse et il y a même un miroir. Le voici avec de jolis dessins de quatre princesses, Blanche-Neige, Aurore, Cendrillon et Ariel. On va regarder Cendrillon d'un peu plus près. La voici. Elle est vraiment très très jolie. Et en fait, Cendrillon, c'est une petite brosse que l'on peut utiliser pour le fard à joues. Elle est toute coquette et toute mignonne. On va maintenant voir Aurore. Et Aurore, en fait, c'est un brillant à lèvres, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est exactement la même figurine que le maquillage qu'on a vu tout à l'heure de la belle Aurore. On va maintenant ouvrir les deux côtés. De ce côté-là, ce sont les fards à joues et de l'autre, les brillants à lèvres. Il est temps maintenant de mettre nos princesses dans leurs cases respectives. En commençant par Cendrillon, ensuite Ariel, Belle, Aurore, elles sont toutes superbes. On continue avec la magnifique Rebelle, Réponse, Blanche-Neige, Jasmine. Magnifique maquillage. On va les revoir une dernière fois. Cendrillon et Ariel, Belle et Aurore, Rebelle et Réponse, et Blanche-Neige et Jasmine. Revoici le coffret intégral avec chaque princesse à sa place. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré.